Bonjour, très chers amis agriculteurs, agricultrices. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient multipliées de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reviens en ce beau temps ensoleillé. On a appelé la pluie le beau temps et voilà. Ce n'est pas ça le but du sujet. Je viens ici pour parler encore d'un autre élément bio que j'utilise dans mes potagers. Cet élément bio ici, il s'agit de ce qui est là. Les grandes fougères que j'ai utilisées dans ce sac. Oui, les grandes fougères qui sont avérées très répulsives et puis qui contiennent de nombreux éléments protecteurs, défenseurs même de la plante. Mais avant de parler d'eux, faisons ce qui est de nous. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Je disais plutôt, la plupart des fougères ici contiennent ce qu'on appelle la phytoherbicides stéroïdes, qui sont des molécules protectrices des plantes. Elles agissent comme des hormones du nom de herbisomes. Ces hormones régulent, on peut dire ici, la mue des insectes. C'est-à-dire quoi? Le rôle que les hormones, les disones vont jouer dans la mue des insectes ici, c'est ce même rôle-là que les constituants, les phytoherbicides contenus dans les fougères ici, vont jouer dans les plantes. C'est-à-dire quoi? Multiplier, apporter des éléments défensifs, les multiplier. Et puis encore lutter contre la qu'on appelle l'infestation des ravageurs ici. Et comme on dirait, elle contient aussi de l'hydroxyethidone. Oui, de l'hydroxyethidone. Cet hydroxyethidone ici, il va jouer un rôle très vital pour les plantes, mais un rôle très létal ou bien fatal pour les ravageurs. Qu'est-ce que ça dit? Parce que ce hydroxyethidone contenu dans les fougères ici va d'abord inhiber la mue, c'est-à-dire quoi, stopper la mue des larves des insectes. Et si la mue est stoppée, tu vois, il n'y aura plus de diapose. S'il n'y a plus de diapose, mais de nymphes, il ne peut pas avoir d'insectes. Donc ici, l'infestation prendra fin. Ou bien, il va aller jusqu'à soit même empêcher les chenilles même de prendre de la nourriture, c'est-à-dire quoi, les paralyser de telle sorte qu'elles ne peuvent même plus se nourrir. Donc si les chenilles ne se nourrissent pas, elles ne peuvent pas devenir papillons, les papillons ne peuvent pas pondre encore pour amener les chenilles pour tuer nos feuilles, soit perforer nos trucs. Mais comment utiliser ces plantes? Avant d'utiliser ces plantes, on ne peut pas avoir les plantes si on ne sait pas où elles sont en truc, il faut les trouver. Donc on va d'abord couper, aller trouver les plantes et puis maintenant revenir et puis vous montrer comment utiliser les qu'on appelle les fougères. Depuis mon existence, concernant les grandes fougères ici, bon, là c'est un bas-fond. C'est le nom de la maison, il est repéré quatre coins ici, aux alentours de la maison, mais le plus loin peut-être c'est à 1,5 km. Et là-bas même, c'est étendu sur une surface de plus de 1 km. Et c'est en bas des hautes tensions, près des hautes tensions, là ils sont les coins qu'on ne vend pas. Et vous voyez, si vous tombez cette aubaine ici, à quoi bon encore d'aller acheter des pesticides et puis trucs. Ici par exemple, il y a un bas-fond. Il y a des constructions un peu partout. Ce bas-fond n'est pas l'outil, il n'appartient à personne. Comme ici, la nature top tes pesticides gratuits. Et puis, il faut dire qu'au cours de ma vie, j'ai rencontré ça aussi dans beaucoup d'endroits. C'est pas seulement dans les bas-fonds, dans les champs de cacao par exemple, dans les champs. Souvent, même tu vas en pleine forêt et puis tu trouves ça. Sur les collines, tu trouves. Mais tu tombes sur quelque chose, tu prends. Et puis, avec les ramifications, les racines aussi qui sont là, ce sont les trucs qui s'adaptent très rapidement, qui poussent très vite. Et j'ai remarqué souvent quand tu t'en vas, tu nettoies même. Quand tu finis de couper, la semaine avant, mais 3 jours après, tu viens, tu vois que ça commence à faire un bougeon. Puis déjà, le bougeon a dépassé d'environ 20 cm. Tu vois, c'est pas facile de faire disparaître ces gens-là quand ils sont dans un coin. Donc, si tu as pu enlever 3-4 racines et puis reproduire chez toi, ça sera mieux que de se promener de boutique en boutique et puis faire, qu'on appelle même, le shopping à herbicides. Je dis herbicides, encore pesticides. Voilà.
ça, j'ai environ 1 kg de fougère, c'est-à-dire pour 9 litres d'eau. Les proportions seront données dans la suite de la vidéo. C'est un bas-fond. Il a plu hier abondamment. Il y a cru que le coin serait inondé. Mais il n'y a pas d'eau. Après ça, je vais venir nettoyer. Et puis voir les endroits où l'eau ne passe pas. Je vais faire une sorte de planche, comme on dit, ou bien de billon, sur lequel il fait des poquets puis planter. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Vous ne serez pas déçus. Car je ferai mon mieux aussi pour que vous ayez le coin joyeux. L'utilisation ici va dépendre de certaines règles. Quand il parle de certaines règles, ce sont peut-être les règles matérielles. Dépend du matériel dont tu as à la maison. Si tu as quelque chose pour rendre ça pâte, tu le rends pâte. Si tu as quelque chose pour triturer, tu peux triturer ça. Si tu as quelque chose aussi pour découper, tu découpes. Et moi, j'ai ici ma machette. Je fais toujours. Je commence toujours par ce qui est plus facile. J'ai ma machette. Qu'est-ce que je vais faire? Les feuilles ici que vous voyez, on va simplement les découper en très fins morceaux. C'est ce qui va permettre la libération rapide du qu'on appelle de l'hydroxyethizone contenu dans ces feuilles magnifiques que Dieu a créées. Je comprends maintenant pourquoi Dieu a dit tout arbre portant en lui un fruit, le fruit de l'être à sa semence, ça sera votre nourriture. Au fait, c'était pour nous faciliter la vie que Dieu a dit ça. Donc, l'hydroxyethizone ici, nous allons chercher à le libérer en faisant quoi? En rendant pâte ces feuilles ou bien en les découpant en petits morceaux simplement. Et rappelez-vous aussi que ce n'est pas seulement les insectes qu'on appelle même ces fougères qu'on bat. C'est un antiparasitaire avéré. Avéré être un antiparasitaire très 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 efficace. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on finit ça, on finit de découper, on va le mettre dans un récipient, respectant quelques proportions, parce qu'il y a des proportions, il y a des proportions mondiales qui sont données sur le net, mais toujours faut savoir que quand les proportions sont données, c'est le minimum. Vous voyez. Et il est dit ici, 1 litre de purée pour 9 litres d'eau. Quand tu vas finir de fabriquer ton purin, tu prendras 1 litre de ce purin pour 9 litres d'eau. Voilà, j'ai presque fini de découper. Vous voyez ce que ça donne. Ça serait le même rôle qu'un sécateur. Et après ça, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'on va faire? On fera ceci. Moi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, vous entendez même leur voix, malgré que je me suis éloigné un peu de la cour. J'utilise un bidon que je vais fermer. Vous pouvez utiliser un récipient en bois, soit un récipient de 10 litres, dans lequel vous allez plonger 1 kg de feuilles de fougère. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez mettre 2 kg, ça va dépendre de vous. De la manière dont vous voulez que votre solution ici, votre insecticide ici, soit concentré. Si vous voulez qu'il soit concentré, soit à 20%. Vous mettez 2, qu'on appelle 2 kg pour 18 litres d'eau qui sera concentré à 20%. Si vous voulez qu'il soit, il est 2 kg pour 8 litres d'eau, excusez-moi, il sera concentré à 20%. Maintenant, si vous voulez qu'il soit concentré encore au-delà, là ça va dépendre de vous. Mais trop de concentration, si on dit les 5 nuits, on ne peut pas aller au-delà des 20%. Il faudrait au moins qu'on reste à 20%. Et c'est ce que je vais faire. Vous pouvez utiliser soit un seau avec un couvercle ou bien un récipient quelconque avec un couvercle. Moi, je préfère mon bidon ici. Après ça, moi, je vais mettre dans mon bidon. Je ne vais pas mettre tout, mais c'est juste une expérience qui est en train de faire. Quelque chose qui est en train de monter, une esquisse du moins. Une fois, après avoir mis ça ici, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter de l'eau. Je ne vais pas faire tout ça là. On
va ajouter de l'eau. Et après avoir ajouté de l'eau, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer du moins? Nous allons le conserver dans un endroit ombragé, à l'abri de la lumière et du soleil. Ce n'est pas une réaction exothermique. Mais à l'abri de la lumière, c'est comme les réactions électriques qu'on appelle une destérification directe. Dans un coin glacé là-bas, et puis ça se fait tout simplement. Mais c'est pas fini. Il va falloir le conserver 10 à 15 jours. Ça va dépendre de nous-mêmes. 10 à 15 jours. Et ça va dépendre aussi de l'environnement dans lequel on l'a conservé. La température, c'est un facteur qui entre aussi, soit dans la fermentation. Ben, c'est sa fermentation, on cherche. La solution fermentée, au fait. Ici, chaque matin, je vais jouer mon. Qu'on appelle ma. J'ouvre mon récipient, je le mélange. Après, je le ferme. Je vais répéter l'opération jusqu'à ce qu'il soit prêt. Pendant 10 à 15 jours. Comment on sait que la solution est prête? En fait, quand la solution est prête, il n'aura plus de bulles à la surface, ni de mousse. Il n'aura plus de bulles d'air, ni de mousse. Quand vous verrez que vous allez finir de mélanger et que vous verrez qu'il n'y a plus de mousse ni de bulles à la surface, alors votre solution de purin de sujet est prête à être utilisée. Et là, vous allez faire quoi? On va d'abord tamiser ou bien filtrer pour empêcher que notre nébuleuse, l'appareil qu'on prend ici, soit bouchée. On va filtrer. De sorte que quand la solution sera dans le truc qu'on appelle l'appareil, on utilisera ici pour pulvériser nos plants. C'est ça comme de l'eau seulement. C'est-à-dire quoi? Comme de l'eau afin que l'appareil ne soit pas bouché et puis que ça ne crée pas de difficultés à la longue. En voulant bien faire, on va gâter nos trucs. Et je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo ici, nous parlerons d'un autre insecticide à base d'ail, bien sûr. Là, ça sera à base d'ail. Vous pouvez faire vos recherches et puis attendre. C'est par la grâce à Dieu que je ne peux pas vous donner des délais fixes parce qu'actuellement je suis un peu pris par les prix aussi qui recommencent, mais un peu pris par les travaux et puis beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est grand, non. C'était grand, il n'y a pas à vous demander de vous abonner. Loin de là. Mais Dieu fait grâce. Et lui aussi, il sera nous rendre grand. Il sera vous rendre grand, il sera me rendre grand. On parlera d'une solution à base d'ail. Pour ne pas manquer ça, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification. Tu actives la cloche de notification, ça va sortir. Vous verrez la vidéo toute en haut. Toutes. Ne manquez aucune de nos vidéos. Après avoir fait ça, tu vas liker, mettre un pouce si la vidéo t'a plu, tu partages et puis tu laisses un commentaire. Je remercie au passage tous ceux qui se sont abonnés. Ça me fait vraiment plaisir que Dieu les rende ça au senti. Parce qu'il y a même aussi, même qu'il y a notre chaîne YouTube, tu m'abonnes, je m'abonne en retour. Tous ceux qui ont laissé un commentaire, je vous assure que ça fait chaud au cœur. Fais un travail où toi-même tu pourrais un minimum, quand tu te dis bien bon, et puis quelqu'un vient te dire, mais ça c'est excellent, je savais pas qu'on pouvait faire telle chose, mais ça pousse à chercher davantage encore, parce que nous on a toujours appris depuis petit que chacun au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi celui des autres, ça c'est selon la Bible, chacun au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi celui des autres. Si j'ai cherché mon propre intérêt, que j'ai vu au fond, en cherchant ce propre intérêt, c'est mon propre intérêt, c'était l'intérêt des autres qui faisaient. Bon, je vais continuer dedans, me casser la tête jusqu'à ce que je satisfais tous ceux qui se sont abonnés ou qui ne se sont pas abonnés. Parce que ce n'est pas les abonnés seulement qui suivent les vidéos. Que la grâce, la paix, la miséricorde soient multipliées de la part de Dieu le Père Tout-Puissant. Et que Dieu nous donne la grâce jusqu'à la prochaine vidéo. Demeurez bénis. Ciao.